Yo tout le monde, c'est Apollon, aujourd'hui on se retrouve pour boutique du 15 mai 2024. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à me soutenir, maintenant mon code créateur 4CT dans boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker celle-ci, ça prend une demi-seconde et ça m'aide énormément. Du coup on va monter directement et on a le retour de certains skins Marvel, c'est euh, Gambi avec son sac à dos, Malicia, vers son Lego et leur écran de chargement. C'est pareillement c'est 1500 v 1500 v 800 v pour la pioche, et 500 v pour la deuxième pioche. On a également leur planeur pour 800 v et le deuxième planeur Blackbeard pour 800 v On a également le retour de Dark Phoenix avec son sac à dos et son écran de chargement si vous prenez le petit pack. Bah en fait si vous prenez le skin tout court en fait. Et on a Psylocke pour 1500 V-Bucks, avec euh, sa pioche pour 1200 V-Bucks, et son planeur pour 1200 V-Bucks. Là on a toujours le skin, bah le skin est là ensemble, Terminator, toujours pareil, toujours avec Billy toujours là, toujours My Hero Academia, je répéterai jamais assez chaque jour, TOGA, et euh, tous les autres, voilà, bon tout ça on a l'habitude. Pareil, FNCS, ça doit faire au moins deux semaines qu'elle est là. Lui, ça doit faire moins une semaine qu'il est là. On a le retour d'autres skins FNCS. Je crois qu'en fait, ouais, les skins FNCS, à part les tout premiers, ils vont nous les refoutre chaque saison. Je trouve ça dommage. C'est vrai qu'ils n'ont jamais dit que c'était exclusif à certaines FNCS. Mais bon, je trouve ça dommage. Pour moi, c'est bien que les skins FNCS restent exclusifs aux FNCS. Ouais, mais... En vrai, si écrit Fences là, mais bon, bref, c'est épique quoi, ils nous la font à l'envers à chaque fois, mais bon. Non, en soit, c'est vrai qu'ils ne l'ont jamais dit que ce serait exclusif au Fences de l'année dernière, mais bon, je trouve ça vraiment dommage. On a toujours euh, Odyssey, à mon avis, je pense que c'est vrai. Je pense que s'il la laisse autant, ça veut dire qu'elle sera plus là la saison prochaine. Bah, j'espère, qu'en fait, ça, ça fera des skins un peu exclusifs, euh, de ranked, tout ça, alors ça pourrait être bien. On a euh, Lapileo pour 1500 Vbec. On a Assassin branché pour 1200 Vbec. Nice Tessante pour 1500 v -Bec. On continue avec Opportun pour 800 Vbec. Euh, Destiné pour 2000 Vbec. Pack Golfeuse Turbulent pour 500 Vbec. Bah, un peu plus du coup. Séparément c'est 800 Vbec et 500 Vbec pour la pioche. On continue là avec Vélocité pour 2000 VBec, Fabulatrice pour 1500 VBec, Psyronard pour 800 VBec, Melle pour 800 VBec, Grande méchantage pour 800 VBec, Said écarlate pour 600 VBec avec un sac à dos, Salto arrière pour 500 VBec. On a toujours tous les skins qui sont avec Star Wars. Pourtant la grosse partie de la collab est finie hier, je ne comprends pas pourquoi ils sont encore là. Mais bon, vu qu'il y a encore quelques quêtes, c'est encore là. On a toujours le pack de quêtes de gains euh, de, bah, de gains de niveau. On a toujours Midas, tout ça qui est arrivé hier, je sais pas pourquoi ils les laissent, mais bon. Tout ce qui est en rapport croquette racing, on a tout un ensemble de d'instruments qui viennent avec une danse, voilà. On a euh, bah, bah, toutes les musiques, le retour du pack du set Lego d'Anarchie Acre et, euh, et Ronchon. Je ne sais pas pourquoi Ronchon il l'associe avec, mais il aime bien associer des skins comme ça euh, à des trucs. On a toujours le mini-pass Lego, le club du mois de mai et euh, les euh, packs. Donc euh, n'hésitez pas à noter cette boutique sur 10. Pour ma part, ça va être un petit 4 sur 10. C'est Apollon. à plus de ce